Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler de l'avancée un petit peu de la marque, dire où ça en est. Vous voyez que ça y est, c'est fait. On a donc les produits, le site est quasiment opérationnel. Il y a encore quelques petits réglages, surtout des termes plutôt techniques et administratifs. Donc comme vous pouvez le constater, ça avance plutôt pas mal. On a fait les photos pour agrémenter le site. Et puis dernièrement, on a trouvé également une personne qui fait de la vidéo. Donc pour la réalisation de films, ça va être plutôt pas mal. Donc on essaye de faire quelque chose de vraiment très professionnel. Et aujourd'hui, je pars donc sur les lieux pour trouver un peu, faire du repérage, trouver des lieux sympas pour faire ce clip. J'essaierai le jour du clip, donc normalement c'est ce week-end, j'essaierai de faire un petit peu le off du tournage. J'essaierai de prendre quelques vidéos pour pouvoir assembler tout ça. Parce que le but, c'est aussi de vous agrémenter un petit peu à ce projet indirectement. En tout cas, c'est que vous puissiez suivre aussi les étapes de la construction un petit peu de ce projet, de ce rêve que l'on essaye de mettre en place. Comme vous le savez peut-être, nous essayons de mettre une marque en place qui a pour but de réunir les gens et non de les diviser. La pratique des arts martiaux, normalement, nous enseigne ça. Malheureusement, dans les temps qui courent, on est plutôt revenu à l'individualisme et on se moque un petit peu de son voisin. D'ailleurs, en parlant de voisins, connaissez-vous vraiment vos voisins? On veut connaître des gens à l'autre bout du monde, mais en fait, les gens qui habitent juste à côté de chez nous, on ne les connaît pas. Et on le voit même dans les arts martiaux où on a tendance à se diviser. On cherche à ramener à chaque fois un petit peu notre pratique, comme si c'était la meilleure, et en oubliant un petit peu les autres, et voire même, au pire, en les dénigrant. La signature de la marque Wu Legend, c'est « Who are you? We are Wu ». Qui êtes-vous? Nous sommes Wu. Et Wu, donc, c'est ce symbole qui signifie 5 en chinois, et qui a donc pour but de réunir, ben, en fait, toutes les cultures et tous les peuples. Et si tout ça, ça paraît stupide et simple à dire, on en oublie trop souvent que c'est les choses simples qui sont parfois les plus importantes. Malheureusement, on les oublie trop souvent. N'avez-vous pas remarqué qu'aujourd'hui, tout ce qui fait du buzz a attrait à la violence? Faites des choses positives et la plupart des gens zappent. Il y a bien une inversion des valeurs qui s'est mise en place et il serait temps, à mon sens, de revenir à des choses plutôt bonnes et de mettre de côté tout ce qui est violent et négatif. Et pour ce faire, on a besoin de faire un effort, on a besoin d'en prendre conscience et de se tourner vers ce positif. Vous avez tous ce positif en vous, nous l'avons tous. Encore faut-il le mettre en exergue et le pousser vers l'avant. C'est le défi que nous avons réalisé, Freddy et moi, avec cette marque. Et nous espérons très sincèrement vous emmener dans cette aventure. Donc là, on part en haut d'une montagne. Bon, elle est pas très haute, ça s'appelle le Salève. Et on va aller au-dessus pour un peu faire du repérage et espérer trouver un endroit qui sera convenable pour le clip qu'on va tourner ce week-end. Allez, je vous emmène, on se voit tout de suite après. Donc, sur les chemins de Compostelle, non, pas vraiment, mais en fait, on est sur le Salève. Vous voyez un petit peu la vue. Je sais pas si vous voyez bien les montagnes derrière. Donc, je pense qu'on va faire le tournage dans le coin, parce que ça me semble plutôt pas mal. En plus, il y a en bas, là-bas, c'est un ancien site où il y a énormément de rochers dans la forêt. Et il y a pas mal de gens qui vont là-bas pour faire de la varap, afin de s'entraîner un petit peu. Des gros rochers. On avait fait un stage ici il y a quelques années en arrière. Et en fait, je pense qu'on va faire quelque chose dans le coin parce que la vue est vraiment très très jolie. Et ça va se prêter au clip.
Donc, de retour à la maison, on a trouvé le lieu lors du repérage. Je pense qu'on va faire ça en haut du Salève. D'un côté, on a Genève et de l'autre côté, on a le lac d'Annecy. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, à suivre. Je vous dis, dans la prochaine vidéo, on vous montrera un petit peu le off du tournage. Et puis, d'ici là, n'oubliez pas vos rêves. Battez-vous pour. Vous en êtes tous capables. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça, Étienne. Yeah.